Est-ce que on ne peut pas se limiter toute la recherche qui se passe sur les bosons, limiter à la question quel est le sens de notre existence, pourquoi est-ce qu'on est vraiment là, surtout quand on se considère la place minuscule qu'occupe notre habitacle, cette planète dans l'univers. Est-ce qu'il ne faut pas voir simplement la réponse, la voir dans toute l'évolution qu'on voit dans cet univers qui va toujours d'une naissance vers la mort? C'est-à-dire que tout est en mouvement. La stabilité n'existe pas, est un leurre que l'homme a inventé pour sa propre convenance. C'est toujours agréable de penser qu'il y a un fixe, donc il y a une éternité. C'est agréable, mais c'est faux, car il n'y a rien d'éternel dans l'univers, ni donc du côté humain. Quand on le sait, c'est peut-être une constatation désagréable, mais qui a jamais prétendu que le sens de la vie est l'agréable? N'est-ce pas plutôt la recherche de la liberté? N'est-ce pas là notre seule puissance d'être en harmonie justement avec cet univers qui est périssable, de reconnaître, d'avoir le courage d'accepter que nous ne sommes pas éternels? Aucun atome, rien dans l'univers est éternel. Tout va vers sa fin. Et c'est là qu'il reste une solution, la gratitude d'exister. L'instant même, si on le conçoit comme un don exceptionnel, on le conçoit comme avec un étonnement démesurément grand qu'on existe. C'est là qu'on accomplit notre devoir devant l'existence. On peut se demander où trouver cette liberté. Serait-ce peut-être du côté de la beauté? Trouve la faille. Serait-ce une porte vers la liberté? Eh bien oui, justement, on ne peut pas posséder la beauté. C'est dans l'oubli de soi qu'on peut être fasciné par la beauté. On oublie son ego, son importance. Et c'est la porte vers la puissance, en d'autres mots, la liberté, la vraie puissance.